Oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Shalom, bien-aimé. Nous voulons prier afin que l'Éternel frappe d'aveuglement nos ennemis. Que l'Éternel frappe d'aveuglement nos adversaires. Que l'Éternel frappe d'aveuglement tous ceux qui travaillent dans les ténèbres pour atteindre à notre destinée, pour atteindre à notre vie, pour atteindre à notre famille, pour atteindre à ce que nous sommes, pour atteindre notre vie, notre destinée. Oh, nous voulons prier. Oh, que celui qui est à la base de tes problèmes de santé soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que celui qui est à la base des problèmes dans ta vie soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Que celui qui est à la base du fait que ta vie est toujours en train de rétrograder soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Que celui qui est à la base de nourriture que tu manges chaque nuit alors que tu es en train de dormir soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Que tout esprit qui travaille dans les ténèbres contre ta vie soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare ceci dans le psaume 34 au verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Bien-aimé, l'une des armes que Dieu utilise pour nous arracher au danger, l'une des armes que Dieu utilise par son ange pour nous protéger est de frapper d'aveuglement nos adversaires. Alléluia. Est de frapper d'aveuglement tout esprit qui travaille dans les ténèbres, dans le monde maléfique, dans les eaux, dans les cimetières, dans les forêts, contre nos maisons, contre nos vies, contre nos destinées. Alors nous voulons solliciter la main de Dieu. Nous voulons solliciter l'ange de l'Éternel. Nous voulons solliciter la main de Dieu, le bras de l'Éternel, à frapper d'aveuglement tous ceux qui combattent notre destinée, à frapper d'aveuglement tous ceux qui travaillent contre nous. Alléluia. Alors nous lisons dans Genèse 19, à partir du verset 1, il est écrit ceci. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Je lis encore une fois Genèse 19 au verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Je vais lire le verset 11 maintenant, mais je vous conseillerais de lire tout le chapitre. Genèse 19 au verset 11. Alléluia. Genèse 19 au verset plutôt 10 à 11. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Alléluia. Oh, le verset 11 dit ceci. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Alléluia! Voilà la grandeur de notre Dieu. Les anges ont frappé d'aveuglement tous ces hommes, toutes ces personnes qui étaient à l'extérieur, qui voulaient absolument mettre main sur les anges qui voulaient rentrer dans la maison de Lot pour commettre l'infamie. Bien-aimé, la Bible dit, et ils frappèrent d'aveuglement
les gens qui étaient à l'entrée de la maison. J'aimerais te dire, bien-aimé, que si tu crois en cette prière, si tu crois en cette prière que nous voulons faire maintenant, oh, j'aimerais te dire que l'ange de l'Éternel va frapper d'aveuglement toutes les personnes qui sont à l'entrée de ta maison. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit maléfique, tout esprit diabolique qui est à l'entrée de ta maison, qui veut détruire ta vie, qui veut détruire ta maison, tout esprit méchant qui est à l'entrée de ta vie, à l'entrée de ta santé et qui veut mettre la main sur ta vie. Si tu crois en cette prière, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu crois qu'il reviendra chercher son église, si tu crois au Seigneur Jésus, bien-aimé, si tu crois en Dieu, bien-aimé, j'aimerais te dire que tu vas voir la main de Dieu. Alléluia. L'ange de l'Éternel va frapper aujourd'hui d'aveuglement tout esprit qui travaille contre toi. L'ange de l'Éternel va frapper d'aveuglement tout esprit méchant qui travaille contre ta destinée, qui travaille contre ton épanouissement, qui travaille contre ta vie spirituelle, qui travaille contre ton travail ou qui travaille contre tes finances, qui travaille contre tout ce qui t'appartient. Bien-aimé, nous avons foi en notre Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie et nous croyons qu'il va se lever pour combattre pour nous. Il va se lever et aveugler tout esprit méchant. Prions ensemble. Père éternel, je viens te célébrer. Je viens t'honorer. Je viens t'exalter. Parce que tu disposes tes anges, Seigneur, à ma sécurité. Je viens te bénir. Je viens élever ton nom, tendre Père. Parce que ton ange campe autour de moi pour m'arracher au danger. Oui, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher au danger. Père, je te dis merci. Merci. Car je reconnais que ton ange a toujours veillé sur moi. Depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Alors je te célèbre et te glorifie. Nul n'est comme toi, Seigneur. Mon cœur chante de joie. Mon cœur exulte de joie, Seigneur, parce que tu es Dieu. Je veux te célébrer. Je veux annoncer ta fidélité. Je veux annoncer ta grandeur. Je veux proclamer ta majesté. Je veux proclamer ta grandeur. Tu es Dieu. Reçois la gloire et la louange, Seigneur. Oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu de toute bonté. Tu es le Dieu de toute miséricorde. Seigneur, si je suis encore là jusqu'à maintenant, c'est parce que ta main m'a protégé. Si je suis encore vivant jusqu'à maintenant, c'est parce que, Seigneur, ta grâce m'a environné. Alors je veux te célébrer, te louer. Je veux te magnifier. Merci, Seigneur, pour ton ange qui campe autour de moi. Merci pour ton ange qui campe autour de ma maison. Merci pour ton ange qui campe autour de ma famille. Merci pour ton ange qui campe autour, Seigneur, de mes enfants. Même quand je suis au travail, ton ange campe tout autour de moi. Même quand je vais pour faire les courses, ton ange est à côté et campe tout autour de moi. Seigneur, je te célèbre et te glorifie. Oh, quel amour, quelle grâce d'avoir à son service un ange envoyé par le Père pour protéger ses bien-aimés, pour protéger ses enfants, pour protéger ses fils et ses filles. Seigneur, je te bénis et te loue. Je t'exalte. Tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu excellent. Mais tu as fait cas de moi en m'envoyant ton ange pour me protéger et me garder. Oh, je veux te célébrer, Seigneur. Je veux te magnifier, Seigneur. Je veux t'exalter, Seigneur. Je veux acclamer ton nom. Je veux élever ton nom.
Je veux t'exalter parce que nul n'est comme toi. Tu es l'Éternel des armées, celui qui vit éternellement, celui qui est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Je veux te célébrer, Seigneur. Oh, simplement à ta voix les montagnes s'inclinent. Alléluia. À ta voix les montagnes s'inclinent. Oh, au son de ta voix, les eaux grandent, les eaux se taisent. Oh, au son de ta voix, la tempête se tait. Je te bénis et te loue. Je te magnifie. Tu es le roi de gloire. Sois célébré, sois magnifié, sois exalté. Je veux te chanter. Seigneur, je veux me joindre aux anges pour chanter Hosanna. Je veux me joindre aux anges pour chanter Alléluia. Oh, combien tu es grand. Combien tu es grand. J'aimerais le crier, j'aimerais le chanter, j'aimerais l'annoncer que mon Dieu est grand. Alléluia. Ton nom est puissant. Alléluia. C'est pour cela qu'il est digne de louange. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être chanté. Je te glorifie, mon Dieu. Merci pour le salut de mon âme. Alors que j'étais dans les ténèbres, tu es venu me chercher dans les ténèbres et tu m'as ramené à ton admirable lumière. Tu m'as ramené dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Oh, afin que je sois appelé enfant de Dieu. Je te bénis, mon Dieu. Je t'exalte, Seigneur. Reçois la gloire et la louange. Reçois la magnificence. Reçois l'exaltation. Oh, mon Père, mon Dieu, mon roi, mon refuge, mon rocher, ma forteresse, mon restaurateur, mon libérateur, celui qui vient me relever quand je suis par terre, je te bénis et te loue. Merci, car ton ange campe autour de moi pour m'arracher au danger. C'est pour cela, Père, je viens encore. Je viens, Seigneur, me repentir de mes péchés. Je viens te demander pardon. Là où j'ai péché contre toi, Père, pardonne-moi. Je viens te demander pardon. Seigneur, pardonne-moi si j'ai eu à ouvrir la porte de ma vie aux esprits méchants. Seigneur, pardonne-moi si j'ai eu à ouvrir la porte de ma vie à l'adversaire. Si j'ai donné droit à l'adversaire de toucher à ma santé. Je te demande pardon. Pardonne-moi tout péché commis, Seigneur. Tout péché que j'ai commis qui a ouvert la porte à l'ennemi, consciemment ou inconsciemment. Tout péché que j'ai commis en toute conscience ou en inconscience. Je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Je viens déverser mon cœur afin que tu me pardonnes. Pardonne-moi tout péché commis. Pardonne-moi si j'ai eu à ouvrir la porte de ma vie, de ma maison, de ma famille au diable consciemment ou inconsciemment. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir négligé la prière. Pardonne-moi d'avoir négligé la méditation de ta parole. Pardonne-moi d'avoir négligé, Seigneur, les moments de dévotion à l'église. Pardonne-moi d'avoir négligé d'aller à l'église. Pardonne-moi d'avoir, Seigneur, oublié ta parole et d'avoir fait ce que je voulais. Je te demande pardon, Seigneur. Je reviens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, toute incrédulité que je peux avoir. Et pourtant, tu me protèges et tu me gardes. Pardonne-moi, Seigneur, tout doute que je peux avoir, croyant que je suis seul, autant que l'ange de l'Éternel est autour de moi. Autant que l'ange de l'Éternel campe tout autour de moi, afin de m'arracher au danger. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne les pensées de mon cœur. Pardonne les paroles de ma bouche. Pardonne mes actes. Pardonne toute alliance que j'ai pu faire, Seigneur, consciemment ou inconsciemment, et qui a donné droit à l'adversaire de détruire ma vie, ma maison, ma famille. Je te demande pardon. Pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Si je dis que je n'ai pas péché, je me mens moi-même. Et la vérité de Dieu n'est point en moi. Seigneur, je te demande pardon, car je reconnais mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne les pensées de mon cœur. Pardonne les paroles de ma bouche. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Ô Saint-Esprit, ouvre les yeux de mon cœur pour que je voie tous les domaines de ma vie qui ont été touchés par l'adversaire. Saint-Esprit, ouvre les yeux de mon cœur
pour que je voie tous les domaines de ma vie qui ont été touchés par l'ennemi. Saint-Esprit, ouvre les yeux de mon cœur pour que je voie tous les domaines de ma vie qui ont été touchés, qui ont été touchés, qui ont été touchés par l'adversaire. Afin qu'il soit frappé d'aveuglement. Afin qu'il soit frappé d'aveuglement. Afin qu'il soit anéanti dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur pour que je voie tous les domaines de ma vie qui ont été touchés. Tous les domaines de ma vie qui ont été détruits. Tous les domaines de ma vie qui ont été entachés dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta révélation. Que tu me révèles. Que tu me révèles les choses qui sont cachées. Les choses cachées de ma vie que je ne sais pas. Que tu me révèles là où l'ennemi travaille contre moi et je ne suis pas au courant. Saint-Esprit, ouvre mon intelligence spirituelle. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre mon intelligence spirituelle. Que je puisse voir. Que je puisse comprendre. Que je puisse voir. Que je puisse comprendre. Et que l'ennemi soit anéanti à jamais. Qu'il soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre les yeux de mon cœur. Pour que je voie tous les domaines de ma vie qui ont été touchés. Si dans ma maison, l'ennemi a touché, ouvre les yeux de mon cœur. Si dans mon couple, l'ennemi a touché, ouvre les yeux de mon cœur. Afin que je puisse voir, que je puisse voir. Ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes yeux de l'esprit. Que je puisse voir, que je puisse voir. Et qu'il soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Qu'il soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Qu'il soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Qu'il soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Tu vas prier avec moi. Tu vas déclarer ceci. Tu vas dire ceci. Alléluia. Père, que les anges de ma destinée frappent d'aveuglement tout esprit qui cherche à envoûter ma vie. Père, ou encore Seigneur, ou Éternel, selon que le Saint-Esprit va t'inspirer. Père, que les anges de ma destinée frappent d'aveuglement tout esprit qui cherche à envoûter ma vie dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Ô Père, je viens encore devant le trône de ta grâce. Je prie, Père, que les anges de ma destinée, que les anges qui sont attachés à ma vie, que les anges qui sont attachés à ma destinée, à mon parcours sur la terre, frappent d'aveuglement tout esprit, frappe d'aveuglement, tout esprit, alléluia, qui cherche à envoûter ma vie, alléluia, qu'il frappe d'aveuglement, tout esprit qui cherche à nuire ma vie, dans le nom de Jésus. Oh, je prie au nom puissant de Jésus, Père, que les anges attachés à ma destinée frappe d'aveuglement tout esprit qui cherche à envoûter ma maison dans le nom de Jésus. Ô Père, que les anges de ma destinée frappent d'aveuglement tout esprit qui cherche à envoûter mon travail dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je t'en supplie que les anges de ma destinée, de ma vie, alléluia, de ma vie, assignée à ma vie, frappent d'aveuglement tout esprit qui cherche à envoûter mes enfants dans le nom puissant de Jésus. Père, lève-toi et agis. Père, lève-toi. Père, lève-toi et que ton bras frappe d'aveuglement tout esprit qui travaille contre moi, tout esprit qui travaille contre ma destinée, tout esprit qui travaille contre ma santé, tout esprit qui travaille contre ma vie familiale dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Oh, je te prie, Père, oh, que les anges de ma destinée, maintenant, frappent d'aveuglement. Tout esprit, tout voleur invisible, alléluia, tout voleur invisible qui vole mes faveurs, qui vole mes finances, qui vole mon travail, qui vole tout ce qui m'appartient dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Père, je prie que les anges de la délivrance, que les anges de la délivrance frappent d'aveuglement tout esprit qui veut me garder dans la prison spirituelle.
Que les anges de la délivrance frappent d'aveuglement tout esprit qui veut me garder en prison dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ô Père, je te prie, envoie les anges de la délivrance à frapper d'aveuglement tout esprit qui veut me garder en prison dans le nom de Jésus. Ô Père, envoie les anges de la délivrance à frapper d'aveuglement tout esprit qui veut garder ma santé captive à la maladie dans le nom de Jésus. Père, je te prie, envoie les anges de la délivrance à frapper d'aveuglement tout esprit qui veut me garder dans la prison de la maladie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, je te prie, envoie les anges de la délivrance à frapper d'aveuglement tout esprit qui veut me garder dans la prison du chômage dans le nom puissant de Jésus. Ô Père, envoie les anges de la délivrance à frapper d'aveuglement tout esprit qui veut me garder dans la prison du malheur, dans la prison du malheur, dans la prison de la maladie, dans la prison de l'adversité, dans le nom puissant de Jésus. Ô Père, envoie les anges de la délivrance à frapper d'aveuglement tout esprit qui veut me garder dans la confusion. Qu'il soit frappé d'aveuglement maintenant dans le nom puissant de Jésus. 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 Je t'en supplie au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ô Père, je t'en supplie. Envoie, alléluia, envoie les anges de la délivrance. Envoie les anges guerriers à frapper d'aveuglement tout esprit qui veut me garder dans la prison des échecs, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ô Père, envoie les anges de la délivrance à frapper d'aveuglement tout esprit qui veut me garder captif, qui veut me garder dans la prison des maris de nuit et de femmes de nuit, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Ô Père, envoie les anges. Envoie les anges. Les anges de la délivrance. Envoie les anges à frapper d'aveuglement tout esprit qui vient voler mes biens. Tout esprit qui vient voler mes biens, mon argent, pour transporter cela dans le monde des ténèbres, dans le nom de Jésus, qu'il soit frappé d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, qu'il soit frappé d'aveuglement. Alléluia. Ô Père, envoie les anges de la délivrance. Envoie les anges du combat à combattre pour moi, à frapper d'aveuglement tout esprit qui veut me garder dans la prison. Dans la prison maléfique des nourritures de nuit, dans le nom de Jésus. Dans la prison maléfique des nourritures nocturnes, au nom de Jésus. Ô Père, envoie tes anges, les anges de la délivrance. Ô Père, envoie les anges de la délivrance à frapper d'aveuglement tout esprit qui veut me garder dans la prison spirituelle des rêves maléfiques, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, lève-toi. Lève-toi et agis dans ma vie, s'il te plaît. Lève-toi, Seigneur. Frappe d'aveuglement tout esprit de sorcellerie qui travaille contre ma santé. Frappe d'aveuglement tout esprit maléfique qui travaille contre l'harmonie de mon foyer, dans le nom de Jésus. Ô Père, je t'en supplie, que l'ange de l'Éternel frappe d'aveuglement tout esprit qui travaille contre ma maison, tout esprit qui travaille contre mon épanouissement, dans le nom de Jésus. 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 Ô Père, envoie ton ange à combattre pour moi et à frapper d'aveuglement tout esprit qui vient me voler, qui vient me voler mes vertus dans la nuit, qui vient me voler ce qui m'appartient dans la nuit, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que tout esprit de sorcellerie qui est assigné à venir détruire ma vie, soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus, soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus, soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus.
Père, je t'en supplie, lève-toi, lève-toi. Aie pitié de ton fils, aie pitié de ta fille, aie pitié de ma vie, aie pitié de moi. Je t'en supplie, ô Père, dépêche ton ange à venir me secourir. Dépêche ton ange à venir me sauver. Dépêche ton ange à venir me garder. Oh, je te prie, Père, alors que je veux voyager, que l'ange du voyage frappe d'aveuglement tout esprit qui pourrait empêcher mon voyage, qui pourrait empêcher mon voyage dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, lève-toi et agis. Père, lève-toi et agis. Envoie ton ange, envoie les anges médecins, envoie les anges guérisseurs à venir frapper d'aveuglement tout esprit qui travaille contre ma santé, tout esprit qui ramène la maladie dans ma vie, tout esprit qui ramène les souffrances dans ma vie, dans le nom de Jésus, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il ne me voie plus, que je disparaisse à leurs yeux dans le nom de Jésus, que je disparaisse à leurs yeux dans le nom de Jésus, que je disparaisse à leurs yeux dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit maléfique, alléluia, relâché contre ma vie, d'être frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit maléfique, à tout esprit de maladie, à tout esprit de chômage, à tout esprit de mari de nuit, à tout esprit des eaux assignés, relâché contre ma vie, à être aveuglé, à être frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Commence à ordonner à tout esprit relâché contre ta vie d'être frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Commence à ordonner à tout esprit relâché contre ta vie, alléluia, d'être frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit maléfique, j'ordonne à tout esprit maléfique relâché contre ma vie d'être frappé d'aveuglement au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit maléfique relâché contre ma vie, alléluia, à être frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Que tout esprit maléfique relâché contre mon intelligence soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Que tout esprit maléfique relâché contre mes émotions soit frappé d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout esprit maléfique relâché contre ma vie spirituelle qu'il soit frappé d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout esprit maléfique relâché contre mon épanouissement spirituel d'être frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit maléfique relâché contre ma vie, mon épanouissement émotionnel d'être frappé d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout esprit maléfique relâché contre ma fécondité, relâché contre mes grossesses d'être frappé d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout esprit maléfique relâché contre mon mariage d'être frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit maléfique relâché contre ma vie d'être frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit maléfique relâché contre ma maison d'être frappé d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout esprit maléfique relâché contre la vie de mes enfants d'être frappé d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'au nom de Jésus j'ai la victoire. Je déclare qu'au nom de Jésus je suis invisible, je suis invisible, car je suis couvert par le sang de Jésus, car je suis couvert par le rocher qui est Christ, car je suis couvert, je suis caché dans le creux du rocher dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas ordonner maintenant. Tu vas ordonner à tout esprit de sorcellerie, tout esprit de sorcier ou encore de sorcière qui combat ta vie d'être frappé d'aveuglement, alléluia, dans le nom de Jésus. Pendant que Dieu est en train de te faire sortir de la prison. Parce que tel que tu es en train de prier maintenant, tu es en train de sortir de la prison. Alors tu vas dire, pendant que je suis en train de sortir de cette prison, que tout esprit de sorcellerie, tout esprit de sorcier, de sorcière, alléluia, qui combat ma vie, soit aveuglé, soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alors que l'ange de l'Éternel est en train de me libérer, alors que je suis en train de sortir de cette prison, je déclare que tout sorcier, que tout sorcière soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus, qu'il soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus, que tout sorcière qui combat ma vie soit frappé d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus. Que tout sorcière qui combat ma santé soit frappé d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus. Pendant que l'Éternel est en train de me faire sortir de cette prison, pendant
pourtant que je suis en train de sortir comme Pierre. Pierre était en prison. Alors que l'ange de l'Éternel était en train de le faire sortir de la prison, ceux qui étaient assignés à le garder, ceux qui étaient assignés à le surveiller, n'ont rien vu. Ils étaient frappés d'aveuglement. Ils étaient frappés d'aveuglement jusqu'à ce que les portes de la prison s'étaient ouvertes et que Pierre était sorti. Alors tu vas prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier. J'ordonne à tout esprit de sorcellerie, à tout esprit de sorcier, à tout esprit de sorcière, alléluia, qui travaille contre moi, qui combat ma vie, d'être frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout sorcier, j'ordonne à toute sorcière, j'ordonne à tout regroupement de sorciers d'être frappé d'aveuglement au nom de Jésus. À tout esprit qui combat ma vie, j'ordonne qu'il soit frappé d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 j'ordonne à tout sorcier ou à toute sorcière qui combat ma vie d'être frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit d'envoûtement qui combat ma vie d'être frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit d'envoûtement qui combat la vie de mes enfants d'être frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout esprit maléfique qui travaille, qui combat mon mariage, qui combat l'harmonie de mon couple, alléluia, d'être frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout esprit qui combat mon mariage, qui combat ma vie et qui veut me garder dans le célibat chronique, d'être frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout esprit qui combat mon mariage, qui combat mon travail, qui combat mon épanouissement, qui combat ma santé, d'être frappé d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus. Soyez frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Soyez frappé d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus. Soyez frappé d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas déclarer. Alléluia. Tu vas déclarer que toute caméra maléfique assignée pour contrôler ma vie, alléluia, soit brûlée par le feu de l'Esprit au nom de Jésus. Que toute caméra maléfique assignée, alléluia, pour contrôler ma vie, pour contrôler ma maison, pour contrôler mon travail, pour contrôler mon argent, contrôler ma santé, alléluia, soit brûlée par le feu de l'Esprit dans le nom de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, je déclare maintenant, alléluia, au nom de Jésus, que toute caméra maléfique assignée pour contrôler ma vie, assignée pour contrôler ma maison, assignée pour contrôler ma famille, assignée pour contrôler mes enfants, soit brûlée par le feu du Saint-Esprit maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que toute caméra maléfique qui me suit partout, qui surveille tous mes faits et gestes, qui surveille tout ce que je fais, soit brûlée maintenant dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare que je suis invisible aux yeux de l'ennemi. Je déclare que je suis invisible aux yeux de mes adversaires. Je déclare que je suis invisible. Je déclare que leurs flèches ne m'atteignent pas au nom de Jésus. Je déclare que leur contagion ne m'atteint pas au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qu'ils vont envoyer contre moi ne m'atteindra pas parce qu'ils sont frappés d'aveuglement. Oh, ils sont frappés d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Ils ne voient plus ma porte dans le nom de Jésus. Ils ne voient plus ma vie. Ils ne voient pas mon corps. Ils ne voient pas mes mouvements. Ils ne voient pas mes gestes dans le nom puissant de Jésus. Car ils sont frappés d'aveuglement. Car ils sont frappés d'aveuglement. Car ils sont frappés d'aveuglement. Je déclare qu'ils ne voient plus. Ils ne voient plus l'entrée de ma maison dans le nom de Jésus. 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 Je déclare qu'ils se donnent une peine inutile pour trouver ma maison dans le nom puissant de Jésus. Car ils sont frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Ils sont frappés d'aveuglement. Ils sont frappés d'aveuglement du plus petit au plus grand dans le nom de Jésus. 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 Oh, je déclare que toute caméra assise pour contrôler mes finances, pour contrôler les mouvements de mes enfants, pour contrôler mon époux, pour contrôler mon mariage, pour contrôler ma destinée, prends le feu maintenant, brûle maintenant dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Oh, la Bible déclare, et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Je déclare que tous ceux qui sont à l'entrée de ma maison, qui attendent d'entrer dans ma maison pour me faire du mal, sont frappés d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Ils sont frappés d'aveuglement
au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant, je déclare qu'il se donne une peine inutile pour trouver ma porte, pour trouver ma vie, pour trouver mon corps, pour trouver ma santé, pour trouver ce qui m'appartient dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, commence à déclarer. Déclare ceci, dis ceci. Je déclare que ma vie, que ma santé, que ma maison, que tout ce qui m'appartient, alléluia, que tout ce qui m'appartient et devient invisible aux voleurs, devient invisible aux ennemis de mon progrès, aux ennemis de ma destinée, aux ennemis de ma vie, dans le nom de Jésus. Commence à déclarer que tout ce qui t'appartient devient invisible à leurs yeux. Tout ce qui t'appartient devient invisible à leurs yeux. Ta vie devient invisible à leurs yeux. Ta santé devient invisible à leurs yeux. Tout ce qui t'appartient devient invisible à leurs yeux. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Au nom puissant de Jésus. 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 Je déclare maintenant. Je déclare que mes biens, ma vie, ma santé, ma maison, tout ce que mes mains vont toucher, mes finances, ma vie spirituelle, alléluia, devient invisible, est invisible aux yeux de l'ennemi, est invisible aux voleurs, est invisible à mes adversaires, est invisible au nom de Jésus, car l'Éternel me sécurise, car l'ange de l'Éternel me garde, car l'ange de l'Éternel me protège, car je suis sécurisé dans le nom de Jésus, je suis sécurisé dans le nom de Jésus, je suis sécurisé dans le nom de Jésus, je suis gardé dans le nom de Jésus, je suis protégé dans le nom de Jésus, je suis protégé dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas déclarer ceci. Tu vas déclarer ceci. Au nom puissant de Jésus, je frappe d'aveuglement tout esprit maléfique qui vient me donner de la nourriture pendant que je dors. Au nom de Jésus, qu'il soit frappé d'aveuglement. Toute personne qui vient pour te faire manger de la nourriture pendant que tu dors, qu'il soit frappé d'aveuglement. Qu'ils ne te voient plus. Ils te chercheront et ils ne te trouveront plus. Ils ramèneront la nourriture, ils ne te trouveront plus dans le nom de Jésus. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare, alléluia, je déclare maintenant, qu'il soit frappé d'aveuglement, que toute personne qui vient me donner la nourriture alors que je suis en train de dormir soit frappée d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit qui travaille contre moi dans mes rêves pour me ramener de la nourriture maléfique soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Qu'il soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Qu'il soit frappé d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare qu'il me cherchera. Je déclare qu'ils me chercheront. Ils ne me trouveront plus car je suis invisible. Je suis caché en Christ dans le nom de Jésus. Car ils sont frappés d'aveuglement. J'envoie sur eux l'esprit de confusion. J'envoie sur eux l'esprit de tâtonnement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ils vont tâtonner. Ils vont tâtonner. Ils vont tâtonner. Ils ne me trouveront plus dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ils ne me trouveront plus dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare dans Deutéronome 28 au verset 28, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Oh, je déclare maintenant que tout esprit des eaux qui travaille contre ma maison, que tout esprit des eaux qui travaille contre ma vie, qui travaille contre ma destinée, soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Qu'il soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Qu'il soit frappé de délire. Que l'Éternel le frappe de délire dans le nom de Jésus. Que l'Éternel le frappe de délire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Ils me chercheront dans les eaux, ils ne me trouveront plus au nom de Jésus. Je deviens invisible, ils sont frappés d'aveuglement, ils t'attendent, ils ne me trouvent plus, ils ne me voient plus dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. La Bible déclare dans Deutéronome 28 au verset 28, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Te frappera de délire, d'aveuglement et de garement d'esprit. Bien-aimé, tu vas prier maintenant pour toute personne physique qui travaille contre toi. Toute personne physique qui travaille injustement contre toi, qui te met des bâtons dans les roues, qui est toujours en train de t'accuser faussement au bureau, au travail, qui
un collègue de travail qui est toujours en train de te chercher les problèmes, qui est toujours en train de vouloir te faire tomber, te faire chuter, qui est toujours en train de creuser des fosses contre toi, qui est toujours en train de dire des mauvaises nouvelles contre toi, de dire, de colporter des fausses nouvelles contre toi, qui est toujours en train d'inventer des histoires pour que tu aies toujours des problèmes au travail. Tu vas prier contre cette personne qui est toujours en train de chercher à ce que tu puisses tomber. Cette personne qui est jalouse de toi, qui travaille contre toi. Oh, la Bible dit ceci, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et de garrement d'esprit. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Ah, tu vas envoyer l'aveuglement sur sa vie. Qu'il soit aveuglé, qu'il soit frappé de délire. En fait, ça veut dire que lui-même qu'il soit confus, qu'il soit confondu dans le nom de Jésus et que toi, tu ne sois pas confondu. Que dans cet aveuglement, il soit confondu. Qu'il soit confondu dans le nom de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Ô Père, je viens, Seigneur, te confier cette personne. Je ramène cette personne, Seigneur, au pied de ta croix. Cette personne qui travaille contre moi. Cette personne, Seigneur, qui est injuste, Seigneur, avec moi au travail. Cette personne qui est injuste avec moi, Seigneur, dans le quartier. Cette personne qui est injuste avec moi. Cette personne qui me cherche toujours des problèmes. Cette personne qui s'est levée en ennemi contre moi. Cette personne qui s'est levée en ennemi contre ma vie. Qui veut me mettre les bâtons dans les roues. Qui veut absolument que je puisse tomber. Qui est en train de creuser des fosses pour que je puisse tomber dans la fosse. Oh Seigneur, je prie qu'il soit frappé de délire. Oh Éternel, frappe-le de délire. Qu'il soit confus lui-même. Frappe-le d'aveuglement. Qu'il soit confus. Frappe-le d'égarement d'esprit. Qu'il soit confus dans le nom de Jésus. Oh, que la fosse qu'il a creusée contre moi, oh alléluia, soit sa propre fosse. Que la fosse qu'il a creusée contre ma vie, que la fosse qu'il a creusée contre ma maison, soit la fosse qui va l'engloutir dans le nom de Jésus. 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 Nom de Jésus. Que tout ce qu'il a inventé, tout ce qu'il a, toute parole mensongère qu'il a dite contre moi, oh, se retourne contre lui-même dans le nom de Jésus. Qu'il soit pris dans son propre filet au nom de Jésus. Oui, qu'il soit frappé de délire et qu'il soit pris dans son propre filet dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, regarde. Oh Père, regarde. Je lui fais du bien. Oh Père, regarde. Je le bénis le matin. Je le bénis le midi. Je le bénis le soir. Oh Père, regarde. Je lui donne mon pain. Oh Père, regarde, je lui ai donné mon argent. Oh Père, regarde, je lui ai fait du bien. Mais lui est en train de me faire du mal. Mais lui est en train de travailler contre moi. Il est en train de parler en mal de moi. Mais lui est en train de me poignarder dans le dos. Mais lui est en train de vouloir m'enfoncer. Oh Père, qu'il soit frappé de délire, qu'il soit frappé d'aveuglement et qu'il soit frappé d'égarement d'esprit, afin qu'il puisse être confus, que l'esprit de confusion soit dans son camp, dans le nom de Jésus. Et qu'il tombe dans la fosse qu'il a creusée contre moi, dans la fosse qu'il a creusée pour ma vie, dans le nom de Jésus. Et qu'il tombe dans cette fosse qu'il a creusée contre moi, car je suis ton enfant. La Bible me dit, alléluia, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confus. Oui Seigneur, je ne peux être confus, car je me confie en toi. Seigneur, lève-toi, qu'il soit frappé de délire et d'aveuglement et d'égarement d'esprit, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que cette personne qui a gardé mon dossier, qui ne veut pas libérer mes papiers, qui ne veut pas libérer mon CDI, qui ne veut pas libérer, Seigneur Dieu de gloire, qui ne veut pas libérer mon argent, soit frappé de délire, soit frappé d'aveuglement, soit frappé d'égarement d'esprit, et qu'il puisse signer le papier au nom de Jésus, qu'il puisse signer mon papier au nom de Jésus, qu'il puisse signer mon CDI au nom de Jésus, qu'il puisse signer au nom puissant de Jésus. Là où, Seigneur, cette personne a le cœur dur comme de la pierre, où cette personne s'est positionnée en Jézabel pour dire que je ne vais pas y arriver, pour me mettre les bâtons dans les roues, pour dire que je ne vais pas accéder à un niveau supérieur, qu'il soit frappé de délire, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il soit frappé d'égarement d'esprit et qu'il puisse signer comme Seigneur quelqu'un qui est sous, comme Seigneur quelqu'un qui a bu du vin, qu'il soit égaré, qu'il soit pris de délire et qu'il puisse signer mon papier dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qu'il soit confus, qu'il puisse se rendre compte qu'il a déjà signé, qu'il puisse se rendre compte qu'il a déjà ouvert la porte, qu'il puisse se rendre compte qu'il a déjà accepté dans le nom de Jésus, 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 que tous ceux qui travaillent contre ma vie soient frappés d'aveuglement au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Alléluia. Ô Père, qu'il soit frappé d'aveuglement. Qu'il soit frappé d'aveuglement. Qu'il soit frappé d'aveuglement. Que tout esprit des eaux qui s'est levé contre ma vie, qui s'est levé contre ma maison, que toute réclamation, tout esprit de réclamation familiale qui s'est levé contre moi, alléluia, soit frappé d'aveuglement. Qu'il soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Et que la tombe qu'ils ont creusée, alléluia, contre moi, qu'ils ont creusée contre ma vie, alléluia, les engloutissent eux-mêmes dans le nom de Jésus. Que la tombe qu'ils ont creusée contre moi les engloutissent eux-mêmes, alléluia. Que les eaux qu'ils ont mis devant moi pour m'engloutir les engloutissent eux-mêmes dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et que le feu qu'ils ont mis devant moi pour que je me brûle les embrasse eux-mêmes dans le nom de Jésus. Car l'ange de l'Éternel campe tout autour de moi et m'arrache au danger dans le nom de Jésus. Lève-toi, Père, au nom de Jésus, 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 qu'il soit frappé d'aveuglement. Que tout esprit de voleur maléfique qui travaille contre ma vie, contre la vie de mes enfants, soit frappé d'aveuglement dans le nom de Jésus. Qu'il soit frappé d'aveuglement. Père, merci. Merci. Merci car tu m'exauces. Merci car tu m'exauces toujours. Merci car tu écoutes la voix de mes supplications. Merci car tu écoutes ma prière. Et merci Père, car je ne serai point confondu. Merci Père, car tu ne permettras pas que je sois confus. Mais tu permettras que je puisse voir, que mes yeux voient clair, que mon esprit voie clair, afin que je puisse les frapper d'aveuglement. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié.